Lors de notre visite dans les écoles de Bangabola, nous avons été frappés par le manque flagrant de matériel pédagogique. Dans plusieurs salles de classe, il manque des bancs et des tables. Nous avons également été surpris par la bonne volonté et l'enthousiasme affiché par les enseignants et les élèves. Les bâtiments ont grandement besoin d'être rénovés. Il y a plus de 1000 élèves à Bangabola. Les enseignants ont besoin de simples matériels didactiques tels que des livres, des tableaux, des projecteurs, des DVD ou tout simplement un bureau. Malgré l'absence d'aide provenant du gouvernement central, les enseignants refusent d'abandonner. Bonjour. À l'école maternelle Bobo Tonasai, la directrice nous reçoit dans son bureau. Le bureau est une case en terre. Afin de pallier le manque d'électricité, nous allons aider ces écoles à construire une bibliothèque éclairée à l'énergie solaire. Ainsi, les élèves de l'internat pourront étudier et lire même après 18 heures. Car à Bangabola, après 18 heures, c'est l'obscurité totale. Les enseignants et les élèves dans les écoles de Bangabola continuent de garder espoir et de persévérer. Ils sont conscients que l'éducation peut les sortir de l'isolement et de la pauvreté. C'est pourquoi l'organisation Moissy Akilo a décidé de les aider. Nous allons aider ces écoles. Si vous voulez aider les écoles de Bangabola, merci de contacter l'organisation Moissy Akilo et nous allons nous assurer que vos dons atteignent ces écoles. Merci d'avance et que Dieu vous bénisse.